Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ou au moins essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Colmar. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable ? Un bien rentable pour un investisseur rentable, c'est déjà un bien dans lequel on emprunte la totalité du projet immobilier, c'est-à-dire les coûts d'achat forcément, les frais de notaire et les coûts des travaux. D'accord, vous empruntez la totalité à la banque. C'est ce qu'on appelle un prêt à 110%. Donc vous avez une mensualité à rembourser tous les mois auprès de la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers des locataires, plus le ou les loyers doivent payer les charges d'exploitation d'un bien immobilier. On oublie souvent ces charges, mais elles sont conséquentes. Il y a par exemple la taxe foncière, la charge de copropriété. Vous aurez des réparations à faire, de la vacance locative, peut-être une agence pour gérer votre bien, et je ne parle même pas des impôts. D'accord ? Donc, pour y parvenir, on va utiliser 6 étapes. Donc, la première étape, ça va être l'étude du marché de la ville de Colmar. Donc, si comme moi, vous êtes un débutant vous ne connaissez pas la ville de Colmar, personnellement, je n'y suis jamais allé. Donc, si comme moi, vous ne connaissez pas la ville de Colmar, c'est l'occasion de voir un petit peu les points principaux à regarder dans une ville. La deuxième étape, ça va être l'estimation des prix du loyer pratiqué à Colmar. La troisième étape, ça va être la sélection actuellement d'un bien à vendre à Colmar pour la suite de notre étude. Donc, ça va être une étude vraiment concrète sur un bien actuellement à vendre. La quatrième étape, ça va être l'estimation rapide du rendement de notre investissement pour savoir si oui ou non il est intéressant et si on peut passer à l'étape suivante. La cinquième étape, ça sera le calcul des mensualités du crédit. Comme je l'ai dit, c'est très important que nos revenus soient supérieurs aux mensualités du crédit et en plus qui permettent de payer les différentes charges d'exploitation d'un bien. Et la sixième étape, qui est peut-être la plus importante à mes yeux, c'est l'utilisation de mon calculateur de rentabilité qui est bien plus précis. On va le voir, on va pouvoir lister toutes les charges et toutes les catégories de dépenses. On va pouvoir jouer sur différents scénarios comme un prix d'achat plus ou moins bien négocié, des charges plus ou moins élevées, un loyer bas, un loyer moyen, un loyer haut, par exemple, hein, pour savoir concrètement où on va. Allez, c'est parti tout de suite pour l'étape 1 et la prise d'information de la ville de Colmar. Donc, moi, première chose que j'aime faire, c'est connaître le nombre d'habitants dans une ville. Donc, pour ça, vous avez Wikipédia Colmar et on a une population de près de 70 000 habitants et une population aire urbaine de 130 000 habitants. C'est vraiment une grande ville, hein, plus de 50 000 habitants. Moi, j'appelle ça une grande ville. Et donc, on apprend que c'est la préfecture du Haut-Rhin également. Alors pour un bien, il faudrait lire la page Wikipédia, hein, ça nous prendrait 10-15 minutes, mais on apprendrait vraiment beaucoup de choses sur l'histoire de la ville, mais aussi sur sa partie économique. On a une catégorie dans Wikipédia dédiée à la partie économie. On parle de l'emploi également. Donc il y a des statistiques qui ont été faites. Alors les années des statistiques sont parfois anciennes, hein. Ici c'est 2009, donc faites attention à la date et ça peut vous donner des idées d'informations à récupérer à l'heure d'aujourd'hui en 2020. Il faut savoir aussi où se trouve la ville sur la carte de France, on peut regarder ça. Donc, c'est dans le département du Haut-Rhin. Et donc, on est à la limite, en fait, à la frontière avec l'Allemagne. Hein. Vous voyez?
L'Allemagne est juste de l'autre côté du Rhin. Et la ville de Colmar est entourée de Strasbourg, Mulhouse et Épinal. Hein. On n'est pas loin de la Suisse non plus. Hein. Vous voyez Bâle, ici, qui se trouve en Suisse. D'accord. Bon, on va regarder tout de suite s'il y a une université à Colmar, parce que les étudiants sont quand même des très bons locataires. Hein. Premièrement parce que ce sont en fait les parents qui payent, hein. Ils vont se porter garant. Et deuxièmement, ce ne sont pas des locataires avec des profils complexes. Hein. Ils ont un profil simple, ils viennent faire leurs études pendant 1, 2 ou 3 ans, et après ils savent qu'ils vont partir, donc ils ne vont pas poser de problème plus que ça. Alors, on retrouve deux IUT, peut-être en tout cas, on a deux sites apparemment. Un endroit, j'ai trouvé un moyen en fait plus efficace maintenant de connaître le nombre d'étudiants, c'est de taper directement nombre d'étudiants et le nom de la ville, donc Colmar, dans Google. Et donc on apprend qu'il y a 1700 étudiants à Colmar. Et il y en a beaucoup plus à Mulhouse. Tiens, c'est étonnant. Et c'est l'université de Haute-Alsace. C'est ce qu'on retrouve ici d'ailleurs. D'accord. Alors ici, on parle de 8000 étudiants dans l'université de Colmar et Mulhouse, et là, on parle de 10 000 étudiants. Peut-être que ce lien est un peu plus à jour. Je vais regarder ça. D'accord. Donc sur le site de l'université, il y a un document chiffre-clé de 2019. Je suis en train de l'ouvrir. Bon, je vais pas m'attarder hein, sur leur document qui a l'air de poser des petits problèmes. Il y a une plaquette également. Peut-être qu'on va avoir un résumé. Voilà, ça va être plus simple. Il y a bien 10 000 étudiants, mais ils sont répartis donc entre ces deux campus, Mulhouse et Colmar. Et on n'a pas le détail. On n'a pas le détail, mais ici on avait une idée un petit peu de la répartition. Donc je pense qu'on doit être aux alentours de 2 000 étudiants à Colmar. Alors c'est assez peu, hein. Pour une ville de 70 000 habitants, c'est assez faible. Alors maintenant les hôtels. Alors, pourquoi les hôtels? C'est pour ceux qui seraient intéressés par de la location courte durée, location saisonnière. Parce que tout simplement, s'il y a beaucoup d'hôtels, ça veut dire que, il y a une demande et qu'il y a un marché. Hein. Les grands groupes hôteliers ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et donc, s'ils ont décidé de s'installer à Colmar, c'est qu'il y a un marché. J'ai mal fait ma recherche. Colmar Hôtel, voilà, c'est mieux. Ah, on retrouve un bon nombre d'hôtels quand même. Donc là, j'ai l'impression que c'est le centre-ville, hein, le cœur historique. On retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 hôtels quand même dans cette zone du centre-ville. Donc c'est un chiffre important et c'est plutôt un bon signe pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée. Parce que plus vous avez de concurrence, mieux c'est en fait. C'est bizarre peut-être pour vous d'entendre ça, mais c'est vraiment, ça signifie qu'il y a un marché locatif. Ok. Les hôpitaux maintenant. Alors, pourquoi les hôpitaux? Tout simplement parce que vous allez avoir deux types de populations intéressantes pour vos logements. Ça va être premièrement le personnel soignant, bien évidemment. Donc eux qui sont en CDI, qui construisent leur vie autour de leur lieu de travail. Et vous avez aussi la famille des patients hospitalisés. Je m'explique. La famille va venir accompagner dans ses soins le patient, en fait. Donc, ça va être pour des durées de 3, 4, 10 jours. Donc, plutôt de la location Airbnb. Mais ils vont chercher à se loger à proximité de l'hôpital pour accompagner tout simplement le patient. D'accord, on retrouve plusieurs antennes de l'hôpital. On va aller sur le principal. Où je parle d'hôpitaux publics, hein, on peut aussi regarder les hôpitaux privés, les cliniques privées. Ça prendrait plus de temps. Faudrait aller sur chaque site internet pour voir un petit peu combien de personnes travaillent et combien il y a de lits. Mais là, en étant sur l'hôpital de Colmar principal, on va avoir 80-90% des informations nécessaires. Alors, il faut essayer de rechercher une page avec les chiffres clés qui résument en fait combien il y a de personnel qui travaille et combien il y a de lits. Alors, donc le site internet est un petit peu ancien et il y a peu d'informations, j'ai l'impression. J'ai trouvé un endroit où on peut rechercher. Donc je vais rechercher le chiffre. D'accord. Non, c'est pas bon du tout. La recherche m'envoie sur un autre site. Je me demande si je suis sur le bon site en fait. Parce que CH Colmar. Ah, c'est bien le bon site de l'hôpital. Je vais peut-être activer Flash Player sur ce site. Comment je peux faire? J'ai l'impression que mon navigateur me bloque la première page. On va taper autre chose, on va aller directement sur internet, on va taper CH Colmar, nombre de soignants. Voilà, j'avais vu l'information dans ma recherche Google, il y a 3760 personnes hein, qui travaillent. C'est un très grand centre hospitalier. C'est vraiment un vraiment très grand centre hospitalier par rapport à d'autres villes que j'ai déjà pu faire. Très important. Maintenant, j'aimerais bien trouver le nombre de lits.
Ah, ici on a le nombre de lits. On a donc environ plus de 1200 lits. On a plus de 1200 lits. On va noter tout de suite 3600 personnes et 1200 lits. Donc c'est vraiment un grand centre hospitalier. Et vous savez qu'autour des hôpitaux, vous allez toujours avoir de la population et ça va être toujours dynamique. Le quartier ne risque pas de s'éteindre en fait à petit feu. Donc pourquoi pas viser des quartiers qui sont proches des différentes antennes de l'hôpital. Ok. En termes de transport en commun, la gare de Colmar. Il faudrait savoir s'il y a le TGV à Colmar. Comme par hasard. Le site internet de la SNCF, ah non, c'est pas la SNCF, mais ne fonctionne pas. Donc on voit quand même qu'il y a des trains TGV vers Marseille, vers Paris, des TER vers Strasbourg. Alors, est-ce qu'il faut prendre un TER puis après prendre un TGV? C'est possible, je sais qu'il y a le TGV à Strasbourg. Ok, bon. Au niveau des routes, on a une nationale, mais on n'a pas d'autoroute aux alentours. Ah, si, là on a la 35, tiens. La 35, on dirait qu'il part de Colmar justement et qui va peut-être rejoindre Mulhouse, Belfort, Bâle, etc. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau des transports, hein. Je vais rien mettre. Ok, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux la ville, même s'il faudrait passer forcément plus de temps à étudier sur Internet. Les différents hôpitaux, en plus en détail, la page Wikipédia c'est le minimum, pourquoi pas lire des forums sur la ville de Colmar. Voilà, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation des loyers. Alors, pour cette ville de Colmar, j'ai envie de m'orienter vers une location plus classique, location d'un T2. Qui pourrait convenir aussi bien à du personnel soignant, à des étudiants ou à des jeunes travailleurs qui viendraient s'installer dans la plus grande ville du département ou de leur région. Donc, je pense qu'un T2, j'aurais pas de mal à le louer. Et donc, je vais pas prendre de risque. En plus, ça peut être un investissement, un petit investissement pour démarrer si c'est votre premier investissement. Pour se faire la main, c'est toujours mieux de démarrer petit. Alors, je vais regarder sur le bon coin tout simplement les prix pratiqués en location pour un T2 à Colmar. Donc on peut trier facilement par le nombre de pièces. Donc T2, hop. Il y a 150, 148 résultats. C'est beaucoup quand même, hein, en cette période. Donc là, on est en plein mois d'avril 2020, en plein période de confinement, hein, pour information. Hop. Mais ça n'empêche pas de prévoir le futur et prévoir d'améliorer sa vie en investissant dans l'immobilier et se créer des revenus passifs. Donc je vais ouvrir 4-5 annonces
Ouf, c'est 4-5 annonces pour voir un petit peu les prix pratiqués. Alors ici, un T2, 471 euros, 475 euros par mois. Ok, 40 mètres carrés, taille moyenne pour un T2. On va noter. Mètres carrés. Ok, celui-ci 34 mètres carrés, donc plus petit quand même. Pourtant, il est à 490 euros. Donc plus cher que le premier. Ok, celui-ci, 540 euros pour 44 mètres carrés. Ok. Les prix augmentent un petit peu, hein. La dernière annonce, on a un T2. 545 euros, 43 mètres carrés. Ok. Mètres carrés, très bien. Et bien, on va pouvoir faire une petite conclusion pour les prix pratiqués pour les T2 à Colmar. Alors, on a des prix de 475 à 545. Je pense qu'on peut viser la moyenne sans prendre trop de risques, hein, et viser un 500 euros pour une location de T2. Hein, ça me semble être très raisonnable. On pourrait même imaginer louer à 520 euros par exemple. D'accord, on va passer du coup à l'étape 3 et la sélection d'un bien à vendre. Alors, par contre, je vous ai caché une petite chose, c'est vrai que je veux louer un T2, mais en fait, je veux en louer plusieurs. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire de la division, en fait, pour maximiser les mètres carrés. C'est-à-dire qu'on va viser des appartements de 80 mètres carrés minimum pour les diviser en deux T2. Ça va nous permettre d'acheter à un prix au mètre carré moins élevé, vu on achète une surface plus grande, tout en fait en louant plus cher le mètre carré vu qu'on va louer au prix d'un T2. Ok, bah c'est parti, hein. De toute façon, dans l'immobilier, il faut toujours essayer de transformer l'usage d'un bien. Si vous essayez d'acheter un studio et de le louer en studio, vous n'aurez jamais la rentabilité d'un bon investisseur ni le cash flow. Il faut transformer. On aurait pu faire de la colocation, on aurait pu faire de la location courte durée, on aurait pu agrandir un studio en un T2 pour le louer au prix d'un T2 et faire de la division, c'est les techniques les plus simples pour augmenter la rentabilité d'un bien. Donc moi j'aime bien utiliser le site bien ici. Vous allez voir pourquoi. Et on va mettre un budget max de 200 000 euros. J'espère qu'on va trouver des biens à ce prix-là, hein. Et bien en dessous même, le plus bas possible, hein, de toute façon. On va trier par surface. On va mettre 80 mètres carrés minimum et 110 mètres carrés. Voilà. On va enlever les maisons. Pour garder les appartements, c'est un peu plus simple. Pour faire nos calculs et on va regarder les prix pratiqués. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'emplacement, hein, du bien actuellement à vendre. Alors, il peut avoir une petite erreur au quartier près, mais c'est assez réaliste.
Donc ici, on a un appartement de 4 pièces de 80 mètres carrés avec deux balcons, 102 000 euros. Ben, on va noter. Donc vous l'avez compris, hein, comme on va faire une division d'appartements de 2T2, on va avoir une enveloppe travaux. Et même si on peut viser des biens qui nécessitent déjà des travaux de base, c'est encore mieux parce que ça va nous permettre de l'acheter moins cher, hein. Il y a beaucoup de moins de gens intéressés par un bien avec travaux que sans travaux. Les gens recherchent en général un bien pour habiter tout de suite, le coup de cœur en fait, hein, le fameux coup de cœur. Alors on a un autre bien ici déjà 10 000 euros, plus de 10 000 euros moins cher que le premier. Ok. Alors l'emplacement sera bien sûr à confirmer sur place, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des immeubles tout autour. Je ne connais pas le quartier. Peut-être que ce n'est pas la peine de viser ce quartier-là. Cependant, on voit qu'il y a quand même l'hôpital ici. Donc, on n'est pas très loin du centre hospitalier. Donc là, on a quand même des charges très élevées tous les ans de 2 300 euros. Après, il faut savoir ce qui est compris dedans. Donc là, tout est compris sauf l'électricité. Donc j'ai envie de dire si vous faites si la cuisine est à l'électricité et le chauffage à l'électricité, en fait, ça comprend pas grand-chose. Hein. On va noter du coup 90 000 euros, 84 mètres carrés. Ok. Alors, je regarde forcément les biens affichés les moins chers, hein, parce que comme je disais au tout début, la bonne affaire se fait vraiment à l'achat. Et là, je vois un bien qui est quand même bien moins cher que les autres. D'accord. C'est parce que c'est un viager occupé. Donc, ça ne nous intéresse pas, un viager occupé. Le propriétaire reste dans le logement. Et donc, on ne peut pas le louer. Et ni faire les travaux, évidemment. Ok. J'ai envie de regarder quand même sur le bon coin s'il n'y a pas d'autres annonces à des prix moins chers. Parce que là, je sens que si on doit mettre 90 000 euros dans un logement, ça risque d'être limite pour être à l'autofinancement. Hein. Avec mon expérience, je commence à sentir un petit peu ces choses-là. Et on va pouvoir aussi trier par prix croissant. On retrouve, vous voyez, on retrouve les mêmes types de biens, hein, bien, sur bien ici, mais quand même avec un peu plus d'offres, hein, quand même, faut reconnaître. Alors ici, on est dans un immeuble, on a un appartement F4, 80 mètres carrés, face au lycée Camille Ceux. Donc lisez aussi bien les annonces immobilières, vous allez en apprendre beaucoup sur la ville. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur les charges, mais on a quand même un 80 mètres carrés à 70 000 euros. Ouais, 75 000 euros. Et donc là, on a quand même un écart de 20 000 euros entre ces deux appartements. Et donc moi, je vais m'orienter tout d'abord vers le bien le moins cher pour la suite de de nos calculs et de cette vidéo. Ok, donc on va passer à l'étape 4 et l'estimation rapide du rendement. Donc 75 000 euros. Les frais de notaire, ça va être aux alentours de 8 à 10%, donc plutôt dans les 7 000 euros. Le coût des travaux, donc là il va falloir faire passer au moins deux artisans
pour avoir deux devis différents qui vont chiffrer exactement les travaux à réaliser, hein, la totalité des travaux. Il va aussi falloir visiter le bien de toute façon pour vérifier que le bien est aménageable en deux studios. Hein. Certains appartements ne pourront pas être transformés en deux studios parce qu'il y a un long couloir d'entrée, vous perdez peut-être 7 à 10 mètres carrés de couloir et c'est impossible de démolir certains murs. Regardez aussi le règlement de copropriété de l'immeuble pour savoir s'il est possible de faire ce type de travaux. Renseignez-vous sinon auprès du syndic de copropriété. Sinon, pour faire une estimation des travaux, il faut compter 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des gros travaux. Alors pour nous, j'ai l'impression qu'on va devoir refaire de toute façon la cuisine et la salle de bain existantes et on crée une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bain pour notre second T2. Donc je compte 4 000 € pour chaque pièce, ça nous fait déjà 16 000 € de dépensés. On a peu de photos, donc bon, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il va falloir faire une estimation, hein. De toute façon, il faut essayer aussi de préparer notre intervention, notre venue. Comme ça, on sait un peu quel budget on peut mettre maximum. Donc j'étais à 16 000 €, et je pense que pour faire un mur isolé, les deux appartements, faire passer des tuyaux d'électricité, et puis rénover l'existant, les chambres existantes et les murs existants, je pense qu'il faut encore rajouter 16 000 €, hein. Donc on serait à 32 000 € d'estimation en travaux. Je pense honnêtement qu'on ne devrait pas être loin de ce que devrait vous dire un artisan. Ce qui nous donne un coût total de... Alors, ça nous fait 25 000. Donc on va rajouter 39 000 euros. Que je me trompe pas. Donc, ah, j'ai un petit bug. Donc 40 000, 80, 95, 105, 115. On est à 114 000 euros. Hein. Je fais ça de tête, j'espère ne pas me tromper. 10, 17, ouais, c'est ça, 114 000 euros. Hein, en première estimation. Et on ne parle même pas de négociation hein, pour le moment. On prend le coût d'achat tel qu'il est affiché. Le prix de location, par contre, on pourrait louer 500 euros x 2. Donc, on serait à 1000 euros de location. Et donc, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total de votre opération immobilière. Donc ici, avec 1000 euros, on devrait avoir un projet total de 100 000 euros maximum. Donc ici, on est un petit peu au-dessus, on est à 114 000. Alors, ce n'est pas très grave dans le sens où on n'est pas si loin que ça des 1% et qu'on n'a pas encore négocié le prix d'achat. Hein. Donc, on est dans une fourchette plutôt correcte, j'ai envie de dire, à première vue. Donc, ça nous permet de continuer en fait notre étude. Il y a quelque chose à creuser derrière cet appartement, je pense. Allez, on passe tout de suite à l'étape 5 et les calculs des mensualités. Donc, on est sur un projet de 114 000 euros, hein, c'est bien ça. Je vérifie. 114 000 euros, c'est ça. Avec un loyer estimé de 1000 euros. D'accord. Est-ce que je peux zoomer? Pour que vous voyez bien. Ok.
Alors, il va falloir, là on parle de revenu brut, il va falloir faire une estimation de revenu net. Et pour ça, on va utiliser le même calcul que la banque, on va enlever 30% sur les revenus bruts. C'est ce qu'ils font quand vous allez aller les voir pour leur demander de vous prêter de l'argent. Ils vont enlever directement 30% parce qu'ils savent que vous allez avoir des charges liées à votre exploitation. Hein. Je reviendrai dessus plus précisément dans l'étape 6. Donc, on aurait des revenus nets estimés de 700 euros. Et donc, on va regarder sur un calculateur de prêt immobilier comme celui de Meilleur Taux, combien ça nous coûterait tous les mois un prêt de 114 000 euros. Alors, pour de l'investissement immobilier, je vous conseille vraiment d'avoir la durée la plus longue possible, c'est-à-dire 20 ans, pardon. Je vais boire un petit peu d'eau. Excusez-moi, donc d'avoir la durée la plus longue possible, soit 20 ans. 20 ans, pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi gagner de l'argent tous les mois. C'est ça l'objectif. Alors effectivement, le coût du crédit sera plus élevé sur 20 ans que sur 15 ans. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne sera pas vous qui allez payer ce coût du crédit, ça va être les locataires. Et c'est l'objectif, c'est d'utiliser l'argent des locataires pour payer votre bien immobilier et de mettre 0 euro de votre poche. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier les achats et à agrandir son patrimoine et gagner aussi des revenus tous les mois en ayant des petites mensualités payées par les locataires. Alors, le taux. N'espérez pas celui proposé par Meilleur Taux. Nous, on va tout emprunter, donc il va falloir faire des efforts hein, auprès de la banque. Et avec un taux de 1,8, ça sera déjà bien. Par contre, pour le taux de l'assurance, vous pouvez obtenir bien mieux que 0,34 et un 0,1%, c'est très bien. Moi, j'ai obtenu par exemple 0,07%. Donc, on arrive à des mensualités de 575 euros. Et donc, le calcul est simple. Est-ce que le loyer permet de payer la mensualité tous les mois? Eh bien, complètement. On est donc à un loyer de 700 euros pour un remboursement de 575 euros. Ça nous fait un peu plus de 100 euros dans notre poche tous les mois dans l'état actuel. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Vous avez mis 0 euro d'apport, vous achetez un bien immobilier qui vaut 80, 75 000 euros en l'occurrence, et tous les mois, vous avez un petit billet en plus dans votre poche. Alors, on va passer à l'étape 6, qui elle est un peu plus précise. Hein, on va rentrer plus en détail. Et donc, je lance tout de suite mon calculateur. Alors, on a un bien de 80 mètres carrés, un prix de 75 000 euros. Pour des travaux estimés, donc à faire vérifier par au moins deux artisans, 32 000 euros. Des frais de notaire de 6 000 euros, c'est calculé automatiquement. Les frais bancaires, ça va être les frais pour créer votre dossier auprès de la banque, votre dossier de prêt. Essayez vraiment de le négocier à zéro. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile à obtenir, hein. C'est pour ça que j'ai laissé un coût de 500 euros, parce que c'est potentiellement ce que vous allez payer. Il y a des frais en plus que j'ai pas, dont je n'ai pas encore parlé, c'est les frais, la valeur du mobilier. Parce que moi, je vais vous conseiller de vraiment louer en meublé pour profiter du régime LMNP. Pour deux raisons principalement. Déjà, pour attirer les locataires, vous allez créer un service clé en main. Hein. Vous allez fournir le lit, le matelas, le bureau, l'armoire, la vaisselle, la table, le canapé et même une télé. Ok, ça va faire la différence entre une location A et votre location à vous. Et deuxièmement, ça va permettre aussi de louer plus cher que le prix du marché parce que vous fournissez un service supplémentaire, vous louez meublé. Et j'ai même envie de rajouter un dernier élément, ça va être pour la fiscalité et j'en parlerai tout de suite après.
Donc concrètement, pour louer un T2, ça coûte 2500 euros. Donc 2 T2, 5000 euros. Dans la partie financement, on ne touche à rien. On veut surtout ne mettre zéro en apport. Hein, on met 0 euros d'apport personnel. Alors, la fiscalité. Donc, je me dois de vous rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Il faut savoir que ça dépend de vos revenus de salarié. En fait, vos revenus de salarié vous positionnent dans une tranche, tranche marginale d'imposition, le fameux TMI. Et du coup, les plus connus sont la tranche à 14% et 30%. Il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche. Plus, il faut également rajouter la CSG, c'est-à-dire les prélèvements sociaux, de 17,2%. En fait, vous n'allez pas payer 14% si vous êtes à une tranche à 14, vous allez payer 14 plus 17,2, soit 31,2% d'impôt. C'est énorme et ça impacte vraiment très fortement la rentabilité d'un bien. Mais heureusement, on a le régime LMNP. Le régime LMNP, donc de loueur meublé non professionnel, il permet de, premièrement, amortir le prix du bien. Donc ici, 75 000 euros sur 30 ans. Il va pouvoir amortir aussi les frais des travaux, ça c'est pareil en location nue, mais il va aussi pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc en fait, quand je parle d'amortissement, je parle aussi de création de déficit, en quelque sorte une ligne moins sur votre résultat d'exploitation, et vous allez avoir vos revenus de l'autre côté. Et donc année après année, en fait, vos revenus vont commencer à rattraper votre déficit pour enfin payer des impôts, ou malheureusement enfin payer des impôts. Mais cette opération, elle va prendre au moins 5-6 ans, surtout dans notre cas. Hein, on peut voir qu'on a 32 000 euros de travaux, hein, c'est énorme en déficit, et avec le LMNP, pouvoir amortir 75 000 euros et 5 000 euros, ça fait aussi une grande différence avec la location nue. Donc c'est vraiment pour ça que je vous conseille de louer vos premiers logements en LMNP, location meublée non professionnelle. Pour démarrer, c'est vraiment le meilleur régime fiscal. Alors après, on a la partie recettes locatives. Il va falloir compter une vacance locative. Hein. Vos appartements ne seront pas loués toute l'année, malheureusement. Vous aurez une vacance entre le départ et l'entrée d'un locataire, par exemple. Et donc, pour des T2, j'imagine à 2 semaines par an de vacances. Donc, ça correspond à 4%. Les loyers, on espère donc 2 fois 500 euros, donc 1000 euros. Les charges, qui eux aussi vont permettre de créer du déficit. Hein. On a l'assurance du crédit qui est calculée automatiquement. Et on a, si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% du montant brut de vos revenus. La taxe foncière et les charges de copropriété, on ne les connaît pas, ce n'est pas noté dans l'annonce, il va falloir vraiment les demander aux vendeurs, c'est très très important de les connaître, sachant qu'ils peuvent varier du simple au double entre un quartier à un autre pour la taxe foncière et d'un immeuble à un autre pour la charge, les charges de copropriété. Donc on va faire des estimations et moi je vais peut-être mettre un peu moins, 700 euros pour la taxe foncière et la charge de copropriété c'est souvent dans les 100 euros par mois, donc je vais mettre 1200 euros. Il faut compter aussi une partie réparation, on provisionne de l'argent pour les futures réparations de votre logement, que ce soit pour réparer du mobilier, un évier qui fuit, je peux vous dire, ça va très vite, la facture monte très vite. Donc moi, je compte un demi-mois de loyer, et croyez-moi, de mon expérience d'investisseur, c'est toujours utilisé. Hein. On est même au-delà, souvent, du demi-mois de loyer, malheureusement. L'assurance propriétaire non occupant. Pour 2 T2, je pense qu'on peut assurer chaque T2 pour 100 euros, soit 200 euros au total. Si vous faites gérer par une agence, vous allez avoir des frais d'entrée-sortie. Moi, je paye 75 euros, mais ce sont des colocations.
Donc, pour vous, ça sera sûrement plus cher et je pense même à un demi-mois de loyer. Donc, si on estime à un départ chaque année de locataire, pardon, eh ben, ça nous fait du 250 euros. Donc voilà, déjà au niveau des charges annuelles, on n'a pas pris le barème de moins 30% comme fait la banque, on a pris des chiffres un peu plus concrets, même si on a dû faire des estimations, parce qu'on n'a pas les informations pour la taxe foncière et les charges de copropriété. Ce qui nous donne un premier retour sur investissement brut et net. Alors, ce ne sont pas les chiffres les plus intéressants, hein. Je vous le dis clairement, c'est le cash flow le plus intéressant, c'est-à-dire de savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou si vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois. Ça, c'est le plus important. Le rendement est bien sûr un indicateur qui va être intéressant, hein. Forcément, avec un rendement net de 2%, vous ne serez jamais en cash flow positif. Mais le plus important, c'est vraiment le cash flow. Et donc là, on est à 54 euros de cash flow quand même tous les mois. Donc là, on a un investissement positif. Je le répète, on a mis 0 euros en apport. On a un bien qui se paye de 75 000 euros dont on sera propriétaire dans 20 ans. Et on a un petit billet de 50 euros tous les mois pour en supplément, tout simplement. Donc c'est comme ça que les investisseurs font, que les bons investisseurs font pour multiplier les achats immobiliers, hein. C'est ils achètent des biens rentables tous les mois, il faut gagner de l'argent dessus. Alors, c'est pas mal. Comme premier scénario, on est quand même on est en positif. Donc, c'est plutôt intéressant. On pourrait faire le même exemple avec déjà une location un petit peu plus chère. On pourrait louer peut-être 510 euros notre T2. Du coup, ça nous ferait 1020 euros. Donc ça serait avec un loyer un petit peu plus haut. On pourrait aussi essayer de réduire les charges. Hein, si vous ne voulez pas faire gérer par une agence et que vous voulez vous en occuper vous-même, après tout, pourquoi pas? Même si moi, je ne suis pas partisan de cette solution, parce que si vous voulez multiplier les achats, au bout d'un moment, vous n'aurez plus le temps de vous en occuper, hein. Donc c'est bien quand même de le prévoir à la base, même si vous ne le faites pas gérer tout de suite. Je pense que c'est important de le prévoir. Je ne vais pas toucher aux charges pour le moment. Par contre, un autre point très important, ça va être les frais d'achat, le prix d'achat. Hein. Si on peut réduire déjà les frais bancaires de 0 euro, ça serait excellent. Et maintenant, si on peut négocier le prix d'achat de, par exemple, 5 000 euros, on va faire une première estimation. Donc, j'enregistre ce scénario avec un loyer toujours à 510 euros. Si on négocie 10 000 euros, donc 65 000 euros, ce qui n'est pas impossible. Détrompez-vous, il y a des négociations et des bonnes affaires qui se font tous les jours, hein. Soyez-en conscients. Alors peut-être effectivement que vous aurez 10 refus pour 10 biens différents, mais que le 11e vendeur acceptera votre offre, hein. C'est à vous de toute façon de fixer le prix. Ce n'est pas au vendeur de fixer le prix, vous devez chercher la rentabilité. Alors, donc là, j'ai pris voilà, des estimations, j'ai envie de dire 10 000 euros, c'est pas énorme hein, en négociation. Je vais même faire un troisième scénario où je fais encore baisser le prix de 5 000 euros. Et on va pouvoir comparer tout ça grâce à mon comparateur de scénario, donc ce bouton-là. Hop. Donc le plus intéressant, comme je le dis, c'est le cash flow. Et donc ici, ne prenez pas en compte hein, le scénario par défaut. Donc là, c'est le scénario de base, celui que j'ai montré au tout début. On aurait 56 euros de cash flow, c'est pas mal. Mais peut-être que vous visez les 200 euros de cash flow. Hein.
C'est d'ailleurs ce que je vous conseille, hein, viser le maximum, vraiment. Après, on a fait une autre estimation. Avec un loyer de 10 euros plus élevé par T2, soit 20 euros en tout par mois, ce qui n'est pas énorme, hein, mais tout de suite, ben, on double presque notre cash flow parce qu'au lieu d'avoir 56 euros, on a 20 euros en plus tous les mois, 74 euros. Si on négocie de 5000 euros, hein, on augmente à 101 euros de cash flow tous les mois. Déjà, c'est le double que le prix négocié à 75 000 euros. Si on fait encore baisser de 5 000 euros, bah forcément le cash flow augmente. Et on se retrouve, si on négocie donc 15 000 euros, on se retrouve avec 156 euros de cash flow. Ça nous donne une plus grande marge pour exploiter nos biens. On a moins le couteau sous la gorge que 50 euros qui peuvent partir très vite. Donc, toujours bien de se prendre une marge. Et simplement, demandez-vous en combien de temps vous avez gagné même 1000 euros dans votre vie. Donc, si vous pouvez gagner 1000 euros en négociation en une journée, eh ben, il faut le faire. Hein. La valeur de votre journée aura une valeur de 1000 euros. Et donc, c'est énorme. Ok, ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez télécharger mon fichier Excel, vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi obtenir mon guide sur comment faire la bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour y parvenir. Donc, c'est dans la description de cette vidéo. Si vous êtes à Colmar et que vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi, je suis très content parce que j'ai pu vous démontrer qu'à Colmar, on pouvait trouver des biens rentables. Et donc, je vous souhaite de très bons investissements à Colmar, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine !